Une poignée de main à 7 milliards de dollars. Les premiers ministres chinois et russes ont signé ce mercredi à Pékin une moisson de contrats, notamment dans la finance, l'agriculture et l'énergie. Des accords signés au dernier jour de la visite de Vladimir Poutine en Chine, sa première à l'étranger depuis l'annonce de sa candidature à la prochaine présidentielle en Russie. Si les échanges commerciaux entre les deux pays semblent au beau fixe, ils pourraient atteindre 80 milliards de dollars cette année, Pékin et Moscou n'ont en revanche pas avancé dans le dossier du gaz. Un contrat signé en 2009 prévoit la livraison de près de 70 milliards de mètres cubes de gaz russe en Chine sur 30 ans, mais les deux puissances ne s'entendent toujours pas sur son prix.